peace on Tuesday. I got food up in the fridge. Y'all keep looking for that new way. I think I like it how it is. Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait un tuto, on va parler plutôt du monde des pollinisateurs avec l'opération Happy Bee 100% bonheur. Alors je te laisse découvrir ça, tu vas voir, c'est un super projet. Salut les amis, alors bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va pas faire un tutoriel, on va plutôt parler du monde de la pollinisation, des pollinisateurs, de l'intérêt et surtout de l'opération Happy Bee 100% bonheur. Alors c'est une opération réalisée par Fishcars, d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver dans leur site qui est dans la description de la vidéo toutes les informations pour justement valoriser la biodiversité. Donc ce sont des pionniers justement là-dessus, ils ont quand même accueilli 13 ruches, c'est-à-dire environ 600 000 abeilles pour pouvoir à la fois partager les connaissances mais aussi promouvoir le fait de protéger cette espèce qui est quand même en difficulté. Alors pour information, je reviens des ruches et je peux vous dire que cette année c'est un peu particulier étant donné que la météo n'a pas été clémente, hein, vous l'avez tous vu, un mois de mars plutôt moyen, un mois d'avril très froid, un mois de mai très pluvieux. Du coup les abeilles sont en manque de nourriture. Juste après ma visite que j'ai faite tout à l'heure, je me suis aperçu que les abeilles n'avaient plus de réserve, c'est-à-dire elles n'ont plus de miel, elles ne peuvent plus consommer et donc il va y avoir un petit problème. Question pour moi, c'est est-ce que je leur apporte du sucre pour compléter ce nourrissement ou alors est-ce que je laisse un petit peu faire la nature pour qu'elles aillent butiner à droite à gauche? Alors malheureusement c'est pas si simple étant donné que je préfère quand même que mes abeilles puissent aller manger du miel et consommer leur miel, leur propre nectar qu'elles ont été chercher et en même temps travailler pour le stocker dans la ruche. Donc là ici on est un peu sur la problématique. Cependant l'objectif de cette opération Happy Bee 100% bonheur de Fishcars va permettre justement à tous les jardiniers, donc toi qui me regardes, également le voisin, également mamie, maman, enfin papa, n'importe qui, va justement permettre de développer et de sensibiliser le maximum de personnes quant à la biodiversité. La biodiversité, je vous rappelle en quelques mots, c'est le mélange entre la faune et la flore, c'est-à-dire les espèces animales et végétales, plus toutes les interactions qui sont entre elles et qui permettent justement d'avoir un écosystème plus ou moins riche en fonction des zones où vous vous situez. Un autre objectif principal va être la suppression des produits phytosanitaires. Bon, vous savez comment je suis, aucun produit ici, aucun intrant, donc ça va être à vous de jouer, il va falloir se battre là-dessus pour protéger nos pollinisateurs. Forcément, ça ne s'arrête pas uniquement aux produits phytosanitaires, vous allez devoir créer à la fois des hôtels à insectes, vous allez devoir créer des nichoirs, vous allez devoir créer et apporter les garde-manger des différents insectes, pollinisateurs ou non. Vous allez créer également des corridors écologiques, c'est-à-dire qui va permettre d'attirer les insectes, à la fois les bons et les mauvais, parce que si vous avez des mauvais insectes, il y aura forcément les bons insectes qui vont arriver. Donc tout ça, ça va être à vous de jouer. Ensuite, l'objectif est de créer aussi un maximum de bandes fleuries, de prairies fleuries, pour justement attirer ces pollinisateurs et notamment en période de juillet-août où justement le manque de fleurs est assez important pour nos abeilles qui va pouvoir permettre en fait de compléter les besoins et d'apporter ce fameux nectar pour nos ruches. Alors quelques chiffres quand même, au niveau de la production vivrière, c'est environ 30 à 35% l'impact des butineurs sur nos cultures. Je ne vous parle pas des autres plantes, ça représente environ 80 à 90%, d'où l'intérêt de les préserver pour avoir la meilleure diversité possible. Alors comment ça se passe? Donc tu vas pouvoir découvrir ça au travers de leur site, donc c'est fishcars.com, je vous ai mis le lien en dessous. Ensuite, vous allez pouvoir recevoir un super paquet avec à la fois des semences mellifères, donc qui sont utiles pour tous les butineurs. Vous allez également avoir un transplantoir qui va vous permettre de planter tout et n'importe quoi dans votre jardin. Alors d'ailleurs, tu pourras découvrir les vidéos de plantation, des différentes plantes et des différents légumes que je mets dans tout mon jardin. Et ensuite, vous avez un petit livret récapitulatif qui va vous permettre justement de savoir quoi planter à tel moment de l'année. Ensuite, pour ceux qui veulent, vous allez avoir la possibilité d'avoir un pot de miel et également un bon de réduction. Bon, ça se passe sur Fishcars.
Alors pour promouvoir la biodiversité et surtout attirer le max de butineurs dans son jardin, bon, je vous conseille premièrement c'est d'aller faire un petit tour sur la chaîne pour pouvoir découvrir comment faire pour les attirer, ça c'est une première chose. Ensuite, si vous voulez faire de l'apiculture, vous allez pouvoir également découvrir le topic, la playlist apiculture, où justement je vous propose quelques tutoriels pour apprendre à démarrer avec son kit de ruche, pour aussi démarrer avec un essaim, aller chercher un essaim dans la nature et le mettre dans sa ruche pour pouvoir faire du miel. Je vous ai même fait une petite vidéo sur la création du miel, enfin la récupération du miel, tout ça, ça se passe sur ma chaîne. Du coup, je vous propose d'aller planter un maximum de plantes mellifères, vous mettez quelques photos soit dans les commentaires ou vous m'envoyez ça sur Instagram ou Facebook. Ensuite, on n'hésite pas à partager la vidéo, c'est pour notre écosystème, c'est pour la biodiversité, donc là-dessus, on peut faire le pouce bleu, partager à foison et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Alors salut tout le monde, bonne plantation et surtout, observez bien là tous les insectes parce qu'il y a quand même du lourd.